In this new episode, Axel is in the southwest of France in search of a mythical fish, the Weald's catfish. Hi everybody, today I'm in a pink city, Toulouse, looking for a very special kind of fish, the Weald's catfish. Now I'm going to meet with Théo Sanchez to fishing on the Garonne River. Salut Théo! Salut Axel! Ça va? Eh ben ouais, bienvenue à Toulouse! Bah ouais, carrément! Ça va, t'as fait bonne route? Ouais, nickel! Impeccable! Bon, nickel, t'as vu la belle Garonne, tu es en centre-ville de Toulouse là? Superbe! T'as vu l'eau est montée un peu? Ouais, il y a de la boue partout là! Ouais, ouais! Hein. Mais bon, a priori, on a un joli lisse là, pourquoi pas? Allez, on va essayer ça! On va faire quelques silures! C'est parti, monte à bord! Ça y est, Théo, on est en place. Dis-moi un peu où on est là. Eh bien là, on est sous le pont neuf. On vient de s'ancrer au pont neuf. D'accord. Donc là, on est un peu dans le courant principal. On est ancré à la deuxième pile de pont. Souvent, c'est le début de la fosse. On est entre l'hôtel Dieu Saint-Jacques, qui est juste à notre gauche. D'accord. Et juste à droite, mais en fait, on a les quais de la Dorade, qui sont du coup réputés pour leur ensoleillement et leur lieu festif. Voilà. Ok. Donc là, on va essayer de longer la fosse tout du long, essayer de faire une petite pêche en dérive avec des fireballs et essayer de pêcher en vertical tout ce petit coin-là, stimuler quelques silures avec le clonk. Et puis on va essayer d'en faire un peu, bah, c'est cool. Exactement. Bah, allez, let's go. Là, Axel, on est vraiment au bon endroit. On voit qu'il y a un beau contre-courant. Effectivement, on voit les poissons qui sont quand même postés ici, là. Ils sont vraiment dans une zone de repos. Et à la fois, ils peuvent rapidement aller vers la zone d'alimentation qui doit être assez proche de la fosse. Donc là, pour le coup, on est au bon endroit. D'ailleurs, on voit que les vifs sont particulièrement énervés. Et je pense que si on a une touche, on ne sera pas loin de ce secteur-là, quoi. Là, on va les appeler un peu, je vais clonquer, on va voir ça. Hein. C'est parti. Donc là, tu vois, on est dans 3m30 et en fait, ici, c'est vraiment une zone de contre-courant. Les silures, ils viennent principalement se reposer, éventuellement s'alimenter. Donc tout ce qui est débris, vers de terre, écrevisses, carpes, carpeaux, brèmes, hein, qui n'aiment pas trop les forts courants. Qu'on va retrouver ici dans la zone de contre-courant. Et en fait, on est juste devant la fosse. Donc là, on va juste longer la fosse pour éviter d'être en plein courant, mais mettre dans une zone assez calme pour pouvoir dériver lentement. Dis-moi, Théo, pourquoi la ville rose? Ah, la ville rose. Alors, si tu regardes derrière toi, par exemple, ou sur les murs autour du pont neuf, tu vas remarquer que du coup c'est des briques rouges, du sud-ouest. Et en fait le mortier lui est blanc, donc rouge et blanc. Ça fait du rose, voilà. Donc, d'accord. Du coup, la ville rose. Ok, ouais. Mais c'est vrai qu'on voit ces briques rouges partout toutes les façades, tous les murs, tous les. C'est quand même assez beau, c'est typique quoi. Voilà. Et ces pierres calcaires également c'est du local également. Parce qu'on sait que tout le fond de la Garonne, c'est du calcaire, voilà. D'accord. D'où ces fonds irréguliers qui ont été sculptés par l'eau au cours des années. Voilà. D'accord, ok. Bah, c'est cool pour la petite histoire. Le fond descend un peu là, 6m70. 6m70, 6m70. Eh, c'est quand même profond, hein. Ouais, vas-y, on va descendre un peu là, on va rechercher un peu le fond. Ouais. On va descendre un peu, encore, voilà, là t'es bien. Et le soleil qui arrive, on n'est pas bien. The drifts are linked to the heart of the old city of Toulouse, but the catfish of Garonne remains for the moment spotting bait of fishermen.
poisson. Au poisson. Oh, le oh, ça fait... Ah oui, ça, tu l'as pas monté dessus. By dint of perseverance, the long-awaited bite ended up happening. Wells catfish are powerful fish, and it is necessary to extract them quickly before it can reach an obstacle. Pas d'accord, hein. Allez, confiance. Oh, ça dégage. Oh là là. Magnifique. Un poisson super. Il est obèse. Ah, un poisson obèse. Vas-y. Yes. Wouh. Putain, on l'a eu. On l'a eu. Boum. Boum. Boum, boum, boum. S'il te plaît, size. Putain, t'es trop fort, mec. T'es trop fort. T'es trop fort, t'es trop fort, t'es trop fort. T'es trop fort. Bravo. A beautiful Wells catfish from Garonne River. A really good fish. Strong and good fish. Very good. Costos poisson. Yes, very good fight. Woo! C'était super. Yes, in Toulouse. Yes. Doucement, doucement. Pose le pied doucement. Tu peux te péter la gueule à tout moment. Là. Ah, il est sans qui fait frais là. Ça lui fait du bien. Oh ben bravo Axel hein. Bah voilà. Putain, tu l'as fait. Bravo. Yes. Bravo, premier... bravo, bravo. Premier, premier poisson de la Garonne, beau poisson. Et en plus un beau poisson qui a bien combattu. Bravo. Beau combat, j'en ai pris plein le bras là. Waouh. Oh, moi j'en ai pris plein les yeux. Ça me fait plaisir que ce soit toi qui l'ai pris, bravo. Excellent. Excellent. Vraiment à domicile, excellent. Bravo. Super. Super. Fishing in France! Ouais! Attends, c'est ça. Allez. Bon, bah voilà, fin de cette première journée sur la Garonne. On a fait un super beau poisson, donc ça s'est super bien passé. Et voilà, ouais. Demain on change de rivière. Ouais, demain je t'emmène sur le Tarn. Voilà, et félicitations encore pour ton poisson aujourd'hui. C'était cool, ça fait plaisir. Super combat, et puis j'ai vu que t'as pris cher. On va encore faire mieux demain. Ah, je suppose. Allez, bon maintenant faut tout ranger, et là il y a du boulot. Attention, c'est parti. Donc
ça y est, nous sommes arrivés sur le Tarn. Alors ce matin, c'était un petit peu difficile parce qu'on a voulu pêcher un secteur, mais il y avait beaucoup trop de courant. Eh oui. Hein. Donc finalement, on est venu sur ce secteur-là. Dis-moi un peu, c'est quoi la différence ici? C'est toujours le Tarn. En fait, on est sur justement un barrage avec là où l'eau justement arrive. Elle va pouvoir décanter un peu. On est sur des grandes profondeurs. Et effectivement, ce serait plus susceptible de trouver des poissons actifs. Et en tout cas, on sera tout à fait en sécurité. D'accord, voilà. Au moins, on évite la grosse crue et on exactement, sera très bien. Exactement. D'accord. Nickel. Bon, bah allez, c'est parti. You need to know that whatever the species of fish, natural bait are really efficient. Yes. Dis-moi, Théo, tu pêches beaucoup avec des appâts naturels, toi? Oui, c'est effectivement, c'est ce qui est de plus efficace. Principalement les vers de terre, les vifs, par rapport justement au déplacement d'eau et à l'odeur qu'ils peuvent laisser dans l'eau. D'accord. Voilà. Donc là, le montage vertical au clonk. Donc un émerillon à graffe, 150 kg. Un bas de ligne 150 kg également en tresse, une olive de 200 g, une perle caoutchouc qui permet d'amortir le plomb, un gros hameçon triple 3-0 fort de fer sur lequel je suis venu écher une dizaine de canadiens, de vers canadiens, et ici un petit simple voleur dessous qui permet de capturer les silures les plus malins et qui viendrait juste créer une petite succion sous le montage. Voilà. Et ça, on vient le montrer en vertical, on vient présenter ça au silure en vertical. Dis-moi Théo, c'est bien sur le Tarn que le record du monde silure a été pris? Tout à fait. Sur le Tarn, du côté de Gaillac, un poisson dépassant les 2,70 m. C'est énorme. Ouais, un poisson énorme, évidemment. Hein. Il me semble que la France, ça fait partie des meilleurs pays au monde pour venir pêcher le silure. Tout à fait, par la diversité des rivières, on a le Rhône, on a la Garonne, on a le Tarn, qui permet justement une concentration importante de poissons exceptionnels. Ah, excellent. You can imagine, one day you can catch a world's catfish approximately 3 meters, just amazing. Le silure est vraiment un prédateur qui est fascinant et un poisson passionnant à pêcher. Il faut savoir que c'est le prédateur ultime de nos eaux douces françaises. On va dire qu'il a tous les sens pour être parfait au niveau prédation. Il a tout d'abord une ligne latérale, comme tous les poissons, située sur le côté, qui lui permet de ressentir les déplacements d'eau émis par une proie, par exemple, dans l'eau, les variations de pression. Il a ensuite ses barbillons, qui lui permettent de trouver sa nourriture, peu importe la turbidité de l'eau et dans n'importe quel fond, donc qui sont des organes sensoriels vraiment exceptionnels. Et il a aussi des ampoules de Lorenzi. Ce sont des petits capteurs placés sous sa mâchoire, qui lui permettent de ressentir les impulsions électriques émises par ses proies. Avec tout ça, le silure, on peut dire, c'est vraiment le prédateur par excellence. Axel does not really like fishing with live baits, but it's still the most effective fishing. Oh Axel, ouais. Je crois que j'ai pris une touche. Rien. Oh là là, il en manque la moitié quoi. Ah oui, t'en as pris quelques-uns. Oh là là, et il a pris sa part. Théo, pour la fin de journée, on va changer de technique, on va passer au leurre. Ouais, tout à fait. Ouais, alors tu peux me parler un peu des leurres que tu utilises pour le silure? Eh bien, en fait, voilà, il existe une grande variété de leurres pour le silure. Ouais. Donc, ça va du shad au twist, poisson nageur, spinnerbait, cuillère ondulante. On a quand même pas mal de choix.
L'intérêt de le pêcher au leurre, c'est vraiment de créer une vibration importante et de permettre aussi leurre de le repérer rapidement. D'accord. Et ensuite, bah, une belle attaque, une touche violente, évidemment, c'est ce qu'on recherche. Sac. C'est ça qu'on va essayer de faire. Tout à fait. Allez. C'est parti. Aries, this is the end of this fishing trip between Garonne and Tarn River. It was very fun to catch some weird catfish. C'était vraiment cool. Ouais, super. Bon, bah écoute, peu de poisson le deuxième jour, mais on a pris. Tu as fait ton super poisson le premier jour. C'était ça qui était le top. Ça, c'était le plus fun. Au top. Voilà. J'espère te revoir bientôt. Bah, moi aussi. À bientôt. Allez, salut, ciao. Axel. Ciao. Bye. Calme. Très calme. C'est très calme. C'est trop calme. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère un petit peu plus beaucoup moins calme. Je préfère quand c'est un peu plus moins calme.